Et bonjour les gens, c'est Jusqu'en 2 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je l'avais dit précédemment dans ma vidéo réaction, je vais vous faire une analyse de la bande-annonce du trailer d'Avengers Infinity War. Donc je vais d'abord commencer par vous parler du petit speech au début du trailer qui cherche à nous rappeler pourquoi on a créé les Avengers. Donc il est prononcé par Tony Stark, Vision, Thor, Black Widow, mais surtout par Nick Fury qui, même si on le savait déjà grâce au casting, sera de retour dans cet ultime volet de la saga. Puis bon, en même temps c'était un peu logique étant donné que sans lui, les Avengers ne seraient peut-être jamais créés. Ensuite on a cette scène qui est assez intéressante étant donné qu'elle nous montre enfin le couple entre Wanda Maximoff alias la sorcière rouge et Vision. Et c'est d'ailleurs grâce à cette scène là que l'on découvre que Vision a su créer une peau synthétique. Et à mon avis, c'est pour pas qu'on le reconnaisse en ville, pour que personne ne sache qu'il est en couple avec Wanda, étant donné qu'elle est devenue une criminelle de guerre à la fin de Captain America Civil War. On assiste du coup à la rencontre entre Doctor Strange, Wong, Tony Stark et Bruce Banner, qui nous avait été un peu teasé avec cette photo qui avait été postée sur les comptes Insta, Twitter, Facebook des acteurs respectifs. On remarquera d'ailleurs la combinaison assez spéciale de Tony qui a l'air de ressembler à celle qui est utilisée dans les comics. Un peu plus tard dans la bande-annonce, on découvre enfin l'aspect du Spider-Sense de Peter Parker grâce à une réaction de ses poils qui semble l'avertir du vaisseau extraterrestre. On a ensuite un rapide aperçu de Proxima Midnight qui est un membre de l'Ordre Noir dirigé par Thanos en train d'attaquer avec sa lance Captain America. On aperçoit un peu après le retour de Bucky Barnes qui a l'air de se trouver au Wakanda. Bon, en même temps c'est un peu logique étant donné qu'à la fin de Civil War on l'avait cryogénisé au Wakanda. Ensuite on a une scène assez flippante étant donné qu'on voit Corvus Glaive ainsi que Proxima Midnight en train d'essayer d'arracher la pierre de l'esprit de la tête de Vision à l'aide de son sceptre. Donc pour ceux qui l'auraient oublié, sans cette pierre d'infinité, Vision meurt. S'ensuit une scène ultra badass où on voit Thanos mettre ce qui semble être la Space Stone, donc la pierre de l'espace se trouvant dans le Tesseract, mais concernant les différentes pierres d'infinité, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. On a aussi cette scène où l'on voit Loki brandir le Tesseract, donc on peut supposer qu'il va le donner à Thanos, ce qui se racolerait au fait qu'il détienne du coup une Infinity Stone bleue sur son gant. Et enfin on assiste à une bataille digne du Seigneur des Anneaux avec une énorme armée d'extraterrestres contre les Avengers, ainsi que l'armée du Wakanda, car oui, comme on peut le constater dans l'arrière-plan, ça ressemble beaucoup à cette ville du Wakanda. Donc du coup, voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos sur cette bande-annonce où j'aborderai des détails plus importants comme les pierres d'infinité ou encore l'ordre noir. N'oublie pas le j'aime, abonne-toi si ce n'est déjà fait, suis-moi sur Twitter, et sur ce, ciao!